Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo concernant Pelé et concernant Messi aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur les trois records que Messi allait battre, les trois records qui appartenaient donc à Pelé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont cinq records qui appartiennent à Pelé et que Messi ne battra donc jamais. Cinq records pour l'éternité. Allez, générique. Dans l'histoire du foot, 21 joueurs ont remporté la Coupe du Monde de la FIFA à plusieurs reprises. 16 Brésiliens, 4 Italiens, 1 Argentin sur la liste. Cependant, un joueur en a gagné 3, c'est le roi Pelé. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde à 5 reprises et Pelé fait partie de 3 de ses équipes. Il a remporté 2 titres consécutifs en 1958 et en 1962 avant de lever son 3e et dernier titre en 1970. Ce record ne devrait jamais être battu en raison du fait que la compétition se joue tous les 4 ans. Et pour au moins égaler ce record, il faut avoir une longévité sur 12 ans au top niveau et gagner ces 3 compétitions d'affilée. Et concernant Messi, c'est son Graal, c'est son but absolu de gagner la Coupe du Monde avec son pays. Il a échoué à 3 reprises et il aura une dernière tentative au Qatar en 2022 pour essayer d'entrer au moins dans la légende de ceux qui l'ont gagné une fois. Mais en attendant, Pelé gardera ce record pendant encore plusieurs années. Pelé a été honoré dans le Guinness Book en 2013 pour 2 records. Le premier étant le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 3 Coupes du Monde, le record dont je viens de vous parler. Et le second pour avoir marqué le plus de buts en carrière dans le foot. Le record a été donné à Pelé pour avoir marqué 1283 buts en 1363 matchs. Alors ces buts incluent ceux marqués par le Brésilien lors des matchs amicaux, lors des matchs de clubs amateurs, de réserve et d'équipe nationale junior. Donc c'est quand même un record à prendre avec des pincettes. Alors que Lionel Messi et Ronaldo tournent autour des 700 buts officiels en carrière, ils sont quand même très loin du record de Pelé. Presque tous les attaquants qui ont marqué énormément de buts ont réussi un coup du chapeau à un moment de leur carrière. Il est donc évident que Pelé, qui en a inscrit quasiment 1300, a inscrit beaucoup plus de coups du chapeau que la concurrence. Et c'est en effet le cas pour Pelé qui a réussi la bagatelle de 92 coups du chapeau lors de sa carrière. Il est également l'auteur de 31 quadruplés. Et pour mettre les choses en perspective et pour comparer avec les deux monstres de l'ère moderne, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en sont à 54, donc très loin du record du roi Pelé. Alors oui, Pelé a réussi 92 coups du chapeau dans sa carrière, mais le coup du chapeau le plus important et dont les gens se souviendront toujours, c'est celui marqué très tôt dans sa carrière. Âgé de seulement 17 ans et 244 jours, Pelé réussit l'incroyable, inscrire un triplé en demi-finale de Coupe du Monde 1958 et c'était contre la France. Cet exploit a eu lieu 5 jours après qu'il soit devenu le plus jeune buteur lors d'une Coupe du Monde, un record qu'il détient toujours actuellement. Cependant, un record a été battu tout de même. C'est le joueur le plus jeune à avoir joué une Coupe du Monde. Il est actuellement détenu par Theo Walcott. Avec l'Angleterre en 2006, il avait à peine 16 ans. Cependant, les chances pour qu'un jour ces deux records soient battus, donc le plus jeune buteur en Coupe du Monde et le plus jeune à inscrire un coup du chapeau, sont très faibles. Ces records datent de 60 ans et ils ne sont toujours pas battus. Alors vous savez, Pelé a inscrit son nom dans la légende en grande partie grâce aux Coupes du Monde. Il a énormément de records dans cette compétition. Et lors de la finale 1958, Pelé, je le rappelle, vient d'inscrire un hat-trick contre la France. Il qualifie son pays pour la finale. Mais Pelé ne s'arrête pas là. Il va établir un nouveau record, toujours valable aujourd'hui, en finale contre la Suède, pays hôte à l'époque. Et Pelé marque un doublé en finale, dont le premier but est considéré comme l'un des plus grands buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Ces deux buts étaient inscrits à l'âge de 17 ans et 249 jours. Et pourquoi ces records seront très difficiles à battre? Car la plupart des équipes qui vont en finale de Coupe du Monde choisissent généralement une équipe expérimentée pour le tournoi. Donc même si un joueur parvient à jouer en finale, quelles sont ses chances qu'il marque autant de buts? Je pense que vous avez la réponse. 60 ans après, 15 tournois plus tard, ces records n'ont jamais été battus. Voilà les amis pour ces 5 records que Messi et Ronaldo ne battront jamais, car ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde et ne la gagneront probablement pas.
c'était une vidéo réponse aux 3 records que Messi va battre de Pelé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dès demain, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao.